Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Diamond Painting. Alors aujourd'hui, voilà, j'attaque le nouveau kit de la boutique FG Normal. C'est... J'ai un cheveu qui m'embête. C'est le kit de la cascade, voilà. Donc, comme je vous avais déjà montré, donc c'est des perles rondes. Il fait 1 mètre sur 50 cm, voilà, donc il va y avoir du taf. Donc, j'ai sur la vidéo, vous allez voir la préparation des perles, hein, comme d'habitude. Et aussi, le premier petit morceau que j'ai commencé à faire cet après-midi, voilà. Donc, il y a beaucoup de couleurs mélangées. Donc, il faut changer souvent de couleur, mais bon, ça va. Ça prend juste un peu plus de temps. Mais sinon, ça va. Les perles sont bien. Ça colle bien sur la toile. Bon, je ne peux pas encore dire grand-chose, mais là, pour l'instant, il n'y a aucun problème. Là, j'ai fait quoi 15 cm sur 10, je crois. Et... Donc ça va. Bon, alors j'avais, comme je vous avais expliqué au moment de la présentation du kit, voilà, hop, plus simple à dire comme ça. j'avais un peu peur parce que le kit est quand même assez foncé. Et donc avec le, pardon, avec la tablette lumineuse, bon, ça va. Je vois bien tous les symboles. Donc, il n'y a pas vraiment de gros soucis. Je vois bien tous mes symboles. Donc, aussi bien pour le noir. Alors, j'ai plusieurs nuances de noir. Du noir noir, hein, bien sûr. Et un autre noir. Alors, j'arrive pas à bien voir s'il est un peu plus clair, bien sûr. Mais bon, moi, avec ma vue, je ne vois pas tellement la différence. Mais bon, il y a plusieurs nuances de noir différents. Il y a du bleu marine. Donc, c'est difficile de voir des fois un peu la différence. Mais ça, c'est la couleur du kit. Ça, je ne peux rien y faire. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, vous allez visionner donc, cette première partie. Alors, sur la photo que je vous ai mis à la fin, vous allez voir que cette partie est terminée. Par contre, en vidéo, vous verrez que je n'avais pas terminé. C'est parce que j'avais plus de batterie sur mon téléphone entre les deux. Donc, j'ai continué sans filmer. Et puis, du coup, j'ai pris les photos à la fin de ce que j'avais fait complètement. Voilà. Mais bon, de toute façon, vous avez quand même une grosse partie de filmé sur ce premier... épisode pour le kit de la cascade. Voilà, je vais vous laisser visionner. On se retrouve très rapidement comme d'habitude pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures, plein de belles choses comme d'habitude, et on se retrouvera pour la suite de ce kit prochainement également. Bon visionnage, gros bisous, à bientôt.
voilà, les perles sont rangées. Donc, vous voyez, 28. Donc, je vous montre les couleurs. Donc, c'est beaucoup du bleu, du violet, un peu de blanc, un peu de bleu clair, un peu de violet, de parme. Voilà. Et il me reste en stock, donc, tout ça qui n'est pas rentré dans la boîte. Alors, là, j'ai un paquet complet. C'est du bleu marine. J'ai un paquet complet de noir en plus. Et le noir, j'en ai encore là. Voilà. Et après, toutes les autres couleurs. Voilà. Donc, celui-là. Voilà, le bleu marine. Voilà ce qui me reste encore. Bon, le kit est très grand, hein, donc c'est normal qu'il y ait beaucoup de perles. Et là, bon, j'utilise ça puisque la valisette que j'avais achetée est prise avec le grand kit. Donc, je n'ai pas le choix, je n'ai pas d'autre choix que d'utiliser ça. Mais bon, ça me dépanne bien. Hein, c'est ce que j'utilisais avant. Donc, voilà. Donc, moi, vous voyez, je numérote toujours du 1, 2, 3, 4, etc. Donc, voilà. Allez, maintenant, on va démarrer le kit. À tout de suite.